De nombreuses initiatives émergent pour venir en aide aux Ukrainiens. La Croix-Rouge d'Avallon ainsi vient en aide, soutient et distribue des colis. Alors, attends. Regarde, ça c'est pour les jumelles, les pyjamas. Ah oui, tiens, parce qu'ils vont le dire à l'école. Oui. Oui, et donc... Et ça, c'est les pyjamas pour dormir, parce que tu m'avais dit qu'il y avait besoin de pyjamas. Merci. Je t'ai amené aussi des livres. Ah, ça c'est génial. Alors, ça, comme caméra, elle distribue et livre des colis composés de denrées alimentaires, de produits hygiéniques, de vêtements, fournitures scolaires, voire jouets pour les enfants ou encore des livres. Choisis ce qui n'est pas lourd. Voilà. On t'a mis aussi des masques. Même si lundi, il ne faut pas mettre de masque, lundi c'est fini. Mais au cas où, on t'a mis des masques. Oh non, il ne faut pas la laisser porter, regardez quand même. La Croix-Rouge d'Avallon et ses bénévoles se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Oléna peut compter sur l'appui de la Croix-Rouge d'Avallon. Ça y est. De nombreux partenaires se sont ainsi associés à la Croix-Rouge d'Avallon. Bon ben voilà, c'est fini Olina, c'est bon. Voilà. Des denrées alimentaires de première nécessité et des produits hygiéniques ont déjà été livrés, mais pas que. Les grecs. Suédois, grec et Afghanistan. Voilà, lui il est tout, toi. Tiens, c'est pour toi, ça m'a dit que je te les donner. Ah oui, mais j'ai. Tu vois, ça me fait mal au cœur pour le jeter. Mais j'ai pas tout. Et ça, c'est pas pour eux. On te rend quand même. T'es vache, tu es. Thank you.